What's there to say? There's nothing but space in between you and I. It's okay that we check. Présentement 9h moins quart. Mon cours commence juste à 11h, fait que je vais quand même aller prendre mon déjeuner. Mon chien, il est là. Tu qu'il est trop cute. Mon cours commence juste à 11h finalement parce que j'ai comme fait un changement d'horaire. En tout cas, je vais vous en reparler un peu plus tard en vidéo. C'est ça, mon cours commence juste à 11h puis aujourd'hui j'ai juste français de 11 à 1 qui d'après moi va durer beaucoup moins longtemps parce que c'est le premier cours. Je vais aussi vous parler d'un test de COVID qui est tantôt. Là pour le moment, je vais aller prendre ma douche puis je vais comme faire ma petite routine du matin. De la douche comme vous pouvez voir avec mes cheveux. Je pense que pour déjeuner, je vais me faire genre oh mon dieu, mon chat en arrière. Pour déjeuner, je vais me faire un smoothie avec une toast bar de peanuts. Ça va être genre vraiment basic, mais j'ai pas tant faim le matin. Je vais prendre du pain brun. Ça c'est meilleur pour la santé. Pour mon smoothie, je sais pas qu'est-ce qu'on a, mais souvent je mets pas mal tout ce qui reste. Je prends tout le temps juste des fraises gelées, juste des fraises congelées, c'est meilleur. Pour le yogourt, je prends vraiment ce yogourt-là. Il est tellement bon pour vrai, il goûte vraiment comme... Il est un peu sucré, mais je trouve que ça goûte vraiment bon. Bon, je prends lui. Après ça, je prends toujours du jus de pomme au lieu du jus d'orange. Avant, je faisais tout le temps avec du jus d'orange, mais j'ai découvert que le jus de pomme, ça faisait moins acide, amer. Bref, ce goût-là. Les fruits, je prends les fruits qui restent. Comme ces fruits-là. Je mets à peu près, il n'y a aucune quantité précise là-dedans, mais je mets comme les fruits qui me restent, comme ceux qui vont passer d'à bientôt, les fraises congelées avec genre le yogourt. J'ai mis du jus de pomme, il me reste le yogourt puis la banane à mettre. Alright guys, fait qu'il est rendu 11h-10, fait que dans 10 minutes, mon cours va commencer, puis pour vrai, ça a comme été la catastrophe depuis comme une heure. Ok, pour parcours, j'ai changé d'ordinateur il n'y a pas longtemps, ce qui fait que tous mes programmes genre d'école n'étaient pas installés dessus, dont Teams. Puis au cégep, on change de mot de passe à chaque 3 mois. On est obligé, puis comme après 3 mois, notre mot de passe qu'on avait se désactive. Fait qu'on peut plus rentrer. Vu que je suis linkée sur mon compte Teams avec mon compte du cégep, ben là, je n'étais plus capable de me connecter sur mon nouvel ordinateur avec. Fait que là, j'ai dû prendre mon ancien ordinateur, tout s'est topé comme dernière minute. Que là, ça va. Ça devrait fonctionner, en tout cas, j'espère. J'ai été chercher mon cartable, je pense que c'était lui. Puis aussi, j'ai plusieurs choses à vous dire. Je vais essayer de vous poser là. Je sais pas si ça va fonctionner. La première chose que je voulais vous dire, c'est que finalement, j'ai pu avoir nutrition. Si vous avez vu mon dernier vlog, dans le fond, je disais que j'avais reçu mon horaire puis que j'ai aucunement eu comme nutrition parce que c'était un cours complémentaire. Puis je m'étais inscrite comme dans les inscriptions tardives. Ben, j'ai fait comme une décision de dernière minute. Et finalement, il y a... ben, dans le fond, tu avais 5 jours en date que tu recevais ton horaire à peu près que tu pouvais changer dépendamment des cours qui restaient une place. Puis il y a du monde qui sont partis du cours de nutrition. Donc j'ai pu avoir ma place en nutrition. Fait que j'ai changé mon horaire. La seule chose qui va vraiment changer, c'est qu'au lieu du lundi de 8h à 11h pour publier son site web blog, j'ai le mardi de 3h à 6h l'après-midi de cours pour nutrition. Fait que je suis vraiment contente pour ça. La deuxième chose que j'ai dit tantôt, c'est par rapport à un test de COVID. Dans le fond, je dois aller passer un test de COVID parce qu'il y a quelqu'un à ma job qui a testé positif. J'ai pas travaillé avec cette personne-là, mais j'ai travaillé avec mes collègues qui, eux, ont travaillé avec lui. Fait que dans le fond, je vais juste aller passer un test de COVID, même si je pense pas que je l'ai parce que je me sens vraiment bien. J'ai pas pris le temps de vous expliquer un peu ce qu'allait être la vidéo. Fait que dans le fond, guys, pour cette vidéo aussi, j'ai décidé de vous vlogger ma première semaine d'école à distance, donc ma première semaine de cette session d'hiver-ci. C'est tellement une session relax. J'ai 2 jours de congé, le mercredi et le vendredi. Aujourd'hui, j'ai juste mon cours de français qui commence. Je sais même pas il est quelle heure, ça s'affiche pas, mais il est à peu près 11h. Fait que ça va commencer vraiment bientôt. Après mon cours, je vais essayer de gosser pour avoir, genre, mettre mon team sur mon ordinateur. Mais comme j'ai changé mon bureau de place, pour ceux qui me suivaient, mon bureau était dans mon garde-robe juste là. Mais il est rendu ici, comme en avant de mon lit. Fait que j'ai mon cartable ici, ma bouteille d'eau, mon ordinateur, ma caméra, j'ai comme tout le stock. Je viens d'aller voir sur Omnivox, qui est le portail de cégep, puis j'ai déjà 9 documents en nutrition, puis j'ai même pas eu mon premier cours encore. Je pense pas que ça va être tant intense que ça, il y a juste vraiment trop de documents. Je pense, mais j'ai déjà un travail à remettre pour le 2 février qui est dans à peu près une semaine. Ok, je sais pas qu'est-ce que je viens de faire, mais j'ai été déconnectée de mon compte Teams. Fait que là, je suis plus capable de me reconnecter. Si c'est le cas, puis que je suis pas capable, je suis vraiment dans le mal.
j'espère que vous allez bien. Fait qu'on est rendu mardi le 26 janvier. Fait qu'on est à ma deuxième journée de cégep de la session d'hiver 2021. Puis là, dans le fond, dans à peu près 10 minutes, mon cours de philosophie commence. Fait que je vais prendre mon cartable que si vous n'avez pas vu comment j'organisais toutes mes choses pour mon cégep, vous pouvez aller voir dans la vidéo qui va être juste dans le haut de l'écran. J'ai pas tant vlogué hier après mon cours, mais comme il y avait vraiment rien d'intéressant qui se passait après mon cours, pour vrai, c'est juste comme le premier cours de la session. Puis comme j'ai même pas de devoir dans ce cours-là. Je pourrais pas être là tout mon cours de philo parce que je dois aller passer un test de COVID à 1h40. Je suis sûre et certaine que mon test de COVID est négatif. En fait, c'est sûr qu'il est négatif. Parce que dans le fond, les seules personnes par lesquelles j'aurais pu le contracter, ben sont négatives. Fait que c'est pour ça que après mon test de COVID, je vais passer chez quelqu'un chercher mon livre. Mais quand je dis passer chez quelqu'un, c'est pas rentrer puis tout. C'est vraiment, je connais même pas la personne. C'est juste du monde qui vendent leurs livres, qui ont plus besoin de cégep. Fait qu'au lieu de les acheter neufs, ben je vais les acheter usagés. First, ça coûte moins cher. Puis de deux, ben c'est mieux pour la planète. Je vais le laisser dehors. Je vais laisser l'argent dehors. Ben je pense en fait, je vais y faire un transfert. C'est plus safe comme ça. En fait, je vais juste passer mon test de COVID parce que j'avais déjà pris le rendez-vous, mais j'ai aucun symptôme. Je veux que personne me lance des rushs en commentaire parce que pour vrai, c'est safe ce que je fais. J'ai pas la COVID. En fait, c'est sûr et certain que je l'aille pas parce que, ben, vous connaissez les raisons. J'ai pas vlogué hier après mon cours, mais en gros, ce que j'ai à dire de mon cours, c'est que ça a vraiment bien été. La prof a l'air vraiment sympathique, vraiment compréhensive auprès de tous les incidents qui peuvent arriver avec l'école en ligne. Je suis quand même vraiment confiante pour cette session-ci en français, surtout que c'est mon dernier cours de français à vie. Puis cette session-ci, c'est aussi mon dernier cours de philosophie à vie parce que je m'en vais pas à l'université, je m'en vais en technique de design intérieur l'année prochaine au cégep dans le fond. Mon cours commence dans 3 minutes, fait que je vais aller juste me chercher comme ma bouteille d'eau puis tout mon stock, puis ben mon cours va commencer. L'après-midi, je viens de revenir de mon test de COVID, puis pour vrai, c'est pas autant peu que tout le monde le dit. Comme, c'est peut-être juste moi, mais genre, pour vrai, j'ai strictement rien senti. Mes yeux ont coulé, mais j'ai rien senti. Donc là, je suis un petit peu derrière minute, mais je vais prendre mon cartable de nutrition parce que je m'en vais dans mon cours de nutrition dans 10 minutes. Oh mon dieu, j'ai soufflé. J'ai passé chez quelqu'un chercher un de mes livres de français, donc c'est L'espèce fabulatrice. J'ai été chercher chez la personne, puis là, je suis comme revenue, puis c'est comme sketch avec mon cours. Je vais dans mon cours de nutrition dans quelques minutes, puis il faut que je figure out comment ça marche parce que honnêtement, la prof avait tout sauf ce que toutes les profs font dans le fond. Elle marche d'une manière différente que personne marche. En tout cas, j'ai essayé de vous mettre là. J'ai essayé d'accéder à mon cours de nutrition que j'ai essayé de trouver. Ah, c'est le. Ok, fait que mon cours commence bientôt. Fait que je mets comme tout mon petit setup. Je vais vous montrer un peu. Fait que juste ici, genre, j'ai mon cartable. J'ai ma nourriture parce que j'ai vraiment faim. Fait que c'est du tofu General Tao. C'est tellement bon pour vrai. Puis j'ai ma bouteille d'eau, as usual, là. Fait que je vais pouvoir faire ça. Puis après mon cours, dans le fond, je dois commander les livres que je ne peux pas aller chercher. C'est du monde. Donc je vais les commander neufs parce que je les trouve pas usagés. Fait que voilà, je vais aller rejoindre mon cours. Hey guys, on est jeudi. Il est à peu près 8h30 du matin et puis j'ai pas vraiment vlogué hier à part des petites portions que je vais vous mettre ici. Ok guys, fait que aujourd'hui c'est ma journée de congé, puis pour vrai en ce moment c'est tellement bizarre dans ma tête parce que je suis déjà en congé après seulement 2 jours, mais comme faut que je m'habitue parce que ça va être ça tout le long de la session. Ok, là je viens d'aller chercher le livre de philosophie que j'ai besoin cette session-ci qui est L'homme révolté d'Albert Camus. Et entre-temps, j'ai reçu mon test de COVID que j'ai été passé hier. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit autant rapide. Ça a pris moins de 24 heures avant que j'aie mon résultat. Puis, obviously, je suis négative. Allez chercher mes deux autres livres que j'ai besoin, qui est mon livre en édu et un autre livre en français. Après ça, je vais continuer mon travail en nutrition, puis ça va pas mal être tout parce que pour vrai, j'ai rien d'autre à faire. So, that's pretty nice. Fait que let's do it, guys! Hier, c'est ma journée de congé. J'en ai profité pour relaxer puis finir le montage de la vidéo que j'ai postée hier. Que si vous l'avez pas vu, ben c'est la dernière vidéo mise en ligne. Fait que dans 30 minutes, mon cours de français va commencer. Puis dans le fond, j'ai pas encore reçu mes livres que j'ai commandés à l'école parce qu'il y en a que j'ai pas été capable de trouver usagés puis que j'ai commandé à l'école. Ils sont pas encore arrivés, fait que je sais pas quand ils vont arriver. Mais là, pour le moment, pour aujourd'hui, je sais pas ça va donner quoi, puis je sais pas genre comment je vais m'arranger pour mon cours, mais bref. Une première semaine, je trouve que c'est vraiment rushant parce que j'ai vraiment beaucoup de choses comme à organiser.
sais, j'ai mes livres à commander, je sais que j'ai pas beaucoup de cours, mais ça fait quand même que j'ai quand même beaucoup de choses à faire cette semaine. Tu sais, comme, il est arrivé plusieurs bad luck cette semaine, genre mon test de COVID. Et là, je vais aller faire ma petite skincare parce que je sais pas si vous voyez ici, puis ici, mes yeux, ils collent pendant la nuit, puis ils coulent. Que ça fait comme plein de petites traces de collé partout. Je vais me laver la face, puis après ça, ben, ça va être le temps d'aller dans mon cours de français. J'ai eu mon cours de nutrition. Je pense pas que j'avais vlogué un peu après mon cours de nutrition qui était mardi. C'est vraiment cool le cours de nutrition pour vrai. Je vais avoir seulement 5 comme projets à faire dans mon année, ben, dans ma session. Il y aura aucune évaluation parce que la prof a dit que comme c'est un cours... Oh merde, mes cheveux sont détachés. La prof a dit que comme c'est un cours complémentaire, c'est pas fait pour faire couler les élèves, fait que dans le fond, pendant qu'on est à distance, ça veut pas faire d'examen comme tous les autres profs font. Fait que ça va juste être des travaux qui vont compter. I guess so. It's now the time de rentrer dans mon cours. Que on va y aller et de redemain. Ça me stresse toujours de rentrer dans mon cours, j'ai peur que mon micro soit allumé. Et let's go gang, on va commencer ce cours-là qui est quand même mon deuxième cours de français de la semaine, donc ça veut dire qu'on va faire de la matière. So, je viens de finir mon cours de français, c'était vraiment long. En tout cas, il est rendu 11h07, puis là, ben, je suis en train de survoler mon projet, ben, mon premier travail à faire en nutrition. Puis pour vrai, je pensais que ça allait là être comme plus long que ça, mais ça va pas être si pire que ça à faire. Puis ça a l'air vraiment nice, puis honnêtement, c'est facile d'aller chercher des points, puis c'est facile d'avoir 100%. J'avais oublié à quel point c'était long les cours de 2 heures, puis là, je m'en vais dans un cours de 3 heures, puis j'imagine même pas comment ça va être long. J'ai vraiment de la misère à rester concentrée comme quand les cours durent longtemps. Habituellement, ma session dernière, les profs faisaient à peu près genre 1 heure de cours, puis après ça, ben, tu sais, ils nous laissaient faire nos travaux, puis tu sais, ils nous donnaient juste vraiment 1 heure de cours. Puis c'était comme parfait. Mais là, cette session-ci, les profs, ils donnent tous leurs cours en même temps, en Teams, et la longueur que le cours est supposé être en vrai. Fait que c'était moi qui me plaignais, mais je vais arrêter de me plaindre immédiatement. Puis je vais commencer à faire mon travail de nutrition. Comme ça, ben, je vais prendre un peu d'avance. Mon travail en nutrition, j'ai comme fait à peu près comme vraiment pas révisé puis juste genre marqué 2-3 petites choses genre la base. Puis là, je viens de catcher que dans 30 minutes mon cours commence puis j'ai pas encore de setup pour mon cours d'édu. Fait que là, faut que je m'organise un setup pour mon cours d'édu où est-ce que je vais pouvoir autant être assis puis autant que je vais pouvoir me lever rapidement puis faire l'exercice qu'il va demander de faire. Et je pensais que ça allait être vraiment plus difficile que ça. Finalement, c'est vraiment facile. Fait que j'ai juste eu à enlever ma lampe de ma commode, pousser ma télévision dans le fond, puis pouvoir mettre mon ordi là. J'ai monté ma chaise en hauteur, fait comme ça je vais pouvoir m'asseoir, puis je vais pouvoir prendre mes notes parce que ben je veux dire ça va juste être marqué. Fait qu'au pire, je vais comme m'accoter sur ma jambe pour écrire. Puis après ça, ben, je vais pouvoir venir faire mon exercice comme juste devant. Fait que je tournerai ma caméra et je ferai ça ici. Pour vous montrer à peu près, genre c'est ce que j'ai le plus d'espace ici. Comme mon ordi, mon setup est là. Faut que je me trouve un outfit adéquat pour faire mon cours d'études. Parce qu'habituellement, je m'entraîne tout le temps en top de sport. Mais je pense pas que c'est légal pour les cours au cégep. Je pense que je vais juste me mettre des leggings puis genre un chandail genre dry fit. Comme je vous disais, ça c'est mon tiroir. J'ai comme toutes mes pants là. Ça, c'est un thermomètre puis des écouteurs que je dois amener à l'écurie. Puis là, ben, mes chandails sont en dessous. Je vais poser mon biscuit, là. Fait que mes chandails sont comme tout en dessous. Mais tu sais, genre, c'est toutes des chandails qui ont servi, genre, pour mon école secondaire. Fait que je sais pas si ça me tente de porter ça. Fait que je vais essayer d'en trouver un là-dedans qui a pas, comme, été de mon école secondaire. Ok, so, j'ai finalement trouvé mon outfit pour mon cours d'études. Pour vrai, c'est juste vraiment basic. C'est des leggings qui viennent du garage avec des bas orange, don't mind it. Puis avec un dry fit noir, tout simplement, avec le petit logo d'une course que j'avais faite au secondaire, que j'ai pas pu trouver mieux. Puis ben, pour ce qui est de mes cheveux, j'ai essayé le plus possible, mais pour vrai, ces temps-ci, ils ont vraiment de la difficulté. Comme quand j'ai mis en couette, là, checker ça, j'ai comme tous des bébés, les like baby hair ici. Comme pour vrai, j'ai de la misère, mais ça va être ça, le rendu là. Ok, ça, je sais, j'ai oublié de comme vlogger pendant mes deux
cours aujourd'hui, puis je suis vraiment désolée, comme pour vrai, c'était des gros cours, fait comme j'y ai vraiment pas pensé. Puis là, il est rendu 6h37, puis dans le fond, ben, je vais conclure le blog ici parce que dans le fond, demain, j'ai pas d'école, je suis en congé mercredi, vendredi. Fait que ma semaine s'arrête le jeudi, littéralement. Fait que voilà, guys, à quoi ressemblait comme la première semaine comme de cégep. Je sais que pour vrai, j'ai comme juste vlogué quand je m'en allais dans mes cours, puis tout, mais comme c'était vraiment juste ça. Fait que c'est la première semaine, c'est des cours vraiment plus courts, à part aujourd'hui que mon français c'était mon deuxième cours, fait que c'était plus en matière. Mais tu sais, je veux dire, vu que c'est la première semaine puis les premiers cours, ben comme les cours sont pas vraiment full, puis j'ai pas full de devoirs, tu sais, j'ai des petits travaux par-ci par-là, mais vraiment rien d'intense. Je pense que je vais refaire un vlog d'une autre semaine ou d'une journée comme pendant que je suis à l'école, parce que ça risque d'être beaucoup plus condensé, beaucoup plus intense que cette semaine en fait. Mais quand même, si vous avez aimé ce type de vlog là, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner puis de liker la vidéo. Sur ce, ben nous on se revoit et on se repart dans une prochaine vidéo. Bye guys! I